Bonjour à tous, ici Végète sur World of Tank et aujourd'hui je vous propose une bataille, un gameplay avec le T28 prototype, une partie qui date d'il y a un petit mois maintenant, hein. Ça a été fait fin avril, avec Boss Kravis qui n'avait pas encore son GW Panther, parce que maintenant il a GW Panther, il a que le Hummel, bon bah voilà c'est comme ça. Et vous inquiétez pas, il le gère très bien aussi. Donc moi, je suis donc avec un bon paquet de tier 8. Hein. Il y a très peu de tier 7. Hein. Il n'y en a que 2. 3 tier 6. Après, c'est 2 orties et un petit scout de leur côté. Mais bon. Voilà, donc je vais profiter aussi de ce gameplay pour vous apporter en tout cas les dernières infos que j'ai reçues pour la 8.6. Donc des changements au niveau des artilleries. Donc par rapport au camouflage aussi, il va y avoir quelques petites montées de niveau, enfin quelques petits camouflages en plus. Et d'autres choses donc bah, que je vais vous dire d'ici peu. En tout cas, bah pour l'instant j'essaie de taper le Panther 2 et je lui fous un bon 450 dans la tête, ça fait plaisir. En tout cas il se décide pas de bouger, bah, je me suis dit bah tiens on va le reviser. Hein. Allez on va se faire plaisir. Bon. Bouge pas, l'autre je peux pas l'avoir donc on va continuer à avancer. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, des changements donc au niveau des artilleries. Bon, alors j'ai fait une liste pour pas me perdre, puisqu'il y en a quand même 9 de plus. J'avais dit 8 une fois à certaines personnes, mais en fait j'ai compté, mais il y en a 9 en fait. Ouais. Bon, on va commencer par le plus simple, c'est les artilleries américaines. Alors, introduction du T-44 qui passe en tier 6. Donc le M12 qui était tier 6 passe tier 7, le M44-43 passe de tier 7 à 8. Introduction du M53-M55 qui passe entre le M40-M43 et le T92 qui passe tier 10, donc le M53-M55 qui passe tier 9, tandis que j'ai vu un petit char en train de se balader ici, donc je tente un tir à l'aveugle, je sais pas si ça touche, mais bon, c'est quand même bien de tenter un petit tir à l'aveugle comme ça de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, changement des artilleries américaines, donc juste deux introductions. Bon, ça change pas trop le KVS, voilà, que j'ai raté au premier tir. Deuxième tir, ça veut pas pénétrer, ce qui est un peu bizarre avec un canon comme ça. Mais bon. Donc on a vu les artilleries américaines, on va passer aux artilleries russes. Introduction du SU-122A qui passe tier 5. Je vise un petit T-34, voilà, pas de pot, hein. Bon, c'est comme ça arrive. Donc introduction du SU-122A qui passe tier 5, le SU-8 passe donc de tier 5 à 6, le SU-14-1 qui fait aussi son introduction qui passe en tier 7, le S-51 qui passe de tier 6 à 7, le SU-14 qui passe de tier 6 à 8. Alors après, il faut voir s'il va y avoir toujours le passage direct du S-51 au 212. Ou bien alors si le S51 va donner sur le SU-14. Pour l'instant, j'ai aucune info sur les passages entre les différents tiers, sachant qu'actuellement, on peut passer directement du S51 au l'objet 212, qui lui passe tier 9, donc faudrait voir si on peut avoir plus d'infos. Tandis que je fais un petit tir sur le petit char chinois qui est en face de moi, mais bon, le chinois, hein, c'est comme tout, hein, c'est un peu de la camelote. Hein. Non, je déconne. Et en plus, il y a de très bons chars chinois, même si je les ai pas testés, mais d'après ce que j'ai reçu, quand même, les chars chinois sont quand même très performants. Mais bon, voilà. Pour l'instant, ils n'ont pas d'arty, donc ça m'intéresse pas. Donc là, je tente un petit tir en verrouillé. Bon, voilà, on tente le coup comme ça. Pour l'instant, vous remarquez, j'ai pas de kill, mais bon, vous inquiétez pas, ça va arriver. Où j'étais? Donc l'objet 212 qui passe tier 9 et l'objet 261 qui passe tier 10. On passe aux Allemandes. Introduction du G-Panzer MK6 sera une artillerie tier 2. Tandis que le T28 là que je me prends bah mon petit adversaire hein, voilà ça s'allume bientôt, ça sera un gameplay avec le T28. Je lui fous un petit tir et là je me remarque quand même que je suis assez mal barré, hein, je suis pas mal entouré. Hein. Mais bon, si j'ai pas pris ce gameplay pour rien, c'est quand même que je vais un peu m'en sortir. Donc l'IS6 là que je rencontre, voilà. Hop, un petit tir, un deuxième petit tir, un peu sur le flanc pour le shooter. Et bon, c'est quand même mal barré. Et là quand même je suis chanceux que leur team shoot pas. Hein, mais heureusement qu'elle est occupée avec les autres chars derrière. Heureusement. Encore un petit tir ici sur les S6 que j'immobilise. Voilà. Et on va le re-shooter derrière. Ça paye pas de mine. Le titan de me tirer dessus 175, c'est pas assez. C'est là où même où intervient le blindage du T28. Sachant que le T28, l'autre, enfin T28 prototype, je veux dire. Tandis que le T28 veut m'entourer. Donc je considère que bah, je me dis bah autant foncer dans le tas. Même si le T34 ça me fait mal. Bon, ok, MD chenille. Bon, voilà, c'est comme ça.
Enfin, je fais que des chenillés, je le pénètre pas. Bon, voilà. J'essaie de mettre le plus en face possible, sachant que T28 est dans mon dos, c'est quand même pas évident. Le 110 me pénètre pas. Il tape les deux chenilles, mais me pénètre pas. Donc je regarde si T28 est là. Le meul de Boss Krabi, c'est un peu de dégâts sur T34, ça m'avantage. Et moi, je peux me repositionner. Donc introduction du G-Panzer MK6 pour les artilleries allemandes. Donc tir 2 qui fait passer le bison du tir 2 au tir 3. Le Sturmpanzer 2 passe tir 4. Il y a l'introduction aussi d'un Panzer SFL. Alors LVB, je suis pas sûr du nom. Alors là, je vous préviens pas. J'ai l'air noté, bon. Donc qui est en tir 4. Le gris qui passe de tir 4 à 5. Le Hummel de tir 5 à 6. Sachant qu'en plus, là, je suis en train de recompter le T34. J'ai joué les Panthers de 6 à 7. Introduction du G Planter GW Tiger qui est 8. Et je me suis bien fait avoir par le 110. Je décide de pas déchigner parce que donc Boss Crazy me dit bah qu'il peut le shooter. Donc je lui dis bah vas-y, shoot-le. Bon, il m'a quand même encore foutu un tir, mais bon. Ça permet comme ça. Le T34 qui me pénètre pas. Bah, je lui dis ça doit être vengé. Hein. Il me pénètre pas. Bah tant pis pour toi. Allez hop, un tir au niveau de la tourelle. Et c'est mon troisième kill. Et donc on est dans une situation de 4 contre 3. On va pas durer longtemps parce que le T110 va se faire flinguer. Donc ça va être du 3 contre 3. Donc j'ai deux. Donc introduction du GW Panther Tiger P du passe en tir 8. Le GW Tiger qui passe de tir 7 à 9. Et le GW Type P qui passe de 8 à 10. Et il me reste plus que les artilleries françaises à dire, et après d'autres petites infos. Ouais, c'est un peu dur en même temps commenter un gameplay. Donc KVS qui se balade, et ben je le punis parce qu'il se balade et il doit pas être là, voilà. Une fois et deux fois parce qu'il va être crevé, bah oui, voilà. Ah bah non, il crève pas, dommage. Donc introduction de AMX 155 AM Mile 47 qui passe tier 4. Donc le AMX 155 AM passe lui de 4 à 5. Le 13F3 passe de 5 à 6. Le 155-50 passe de 6 à 7. Le 155-51 passe de 7 à 8. Sachant que bon, aussi le GW Panther qui réussit à détruire le KMS 5. Donc c'est du 2 contre 2. Donc là c'est la période chaude. Hein. Bon, faut que je me dépêche parce que j'ai encore pas mal d'infos à te dire. Donc je vous laisse profiter de la fin du gameplay. Vous allez voir, elle est assez marrante. Donc là pour l'instant, j'ai récité toutes mes infos. Donc le 155-51 qui passe de 7 à 8, le Batchat 155-55 qui passe, qui introduit et qui passe tier 9, et le Batchat 155 tout court passe de 8 à 10. Donc là j'ai Jack Panther qui se fait dévoiler, bon ok d'accord. Donc moi je me dis bah je vais m'occuper de MX-15, donc je tire une fois, je le pénètre. Boss Rabis qui se flingue l'autre, ok, bon, voilà, c'est nickel. Donc le Batchat 155 qui passe de 8 à 10. Donc là on en a fini pour les artis, donc introduction dans tout de 9 artis. Les camouflages, 3 supplémentaires pour les Russes, les Allemandes et les Françaises. Donc 3 DT pour les Françaises, un désertique qui est 2 DT pour les Allemandes. Voilà, tandis que Boss Rabis finit le dernier tank et on gagne alors que je fais 4 kills et un bon petit boulot quand même. Ce qui me montre quand même la résistance également du T28 prototype. Donc je finis ça. Donc 3 camouflages d'été pour les Français, 2 camouflages d'été et un camouflage désertique pour les Allemands, 2 camouflages d'été et un camouflage hiver pour les soviétiques, tandis que au passage, donc normalement vous verrez aussi un petit passage que j'ai fait assez récemment sur le T28 prototype. Disons que j'ai vraiment pas apprécié, mais bon voilà, c'est un petit truc comme ça, c'est un petit bonus que je vous offre. Donc je vais en profiter pour mettre mes dernières infos. Donc introduction d'une nouvelle carte, il s'appelle apparemment, enfin qui, donc j'ai vu le nom, c'est Sacred Valley, donc je suppose que ça s'appellera la Vallée Sacrée, qui devrait être une map hivernale. Alors ça, je vous assure pas à 100% l'info, mais ça devrait être une map hivernale, en tout cas ça devrait être une map qui en théorie devrait se situer en Corée, voilà, c'est en théorie. Des changements graphiques sur Movaranka, Grand Parc et Aéroport, un changement visuel aussi sur Windberg, et aussi une petite dernière évolution, voilà, qui est un petit changement au niveau des équipements, le revêtement anti-éclat qui va être boosté, voilà, bon, pas sur tout, mais ça va être boosté. Donc si vous ne regardez pas trop les équipements, le revêtement anti-éclat, c'est ce qui permet d'absorber un peu des dégâts du fait des collisions et des explosions, donc des tirs d'artillerie ou des obus du style KV2, etc., etc. Donc le revêtement anti-éclat léger reste à 15% d'absorption, le moyen passe de 15 à 20%, le lourd passe de 15 à 25% et les chars qui sont au-dessus de 80 tonnes, donc les super heavy, voilà, les gros chars de bourrin, style KV4, style MO, style E100, style T95, auraient un revêtement anti-éclat de 30%.
du fait bah, de leur, disons, difficulté à se mouvoir. Donc voilà, c'était tout. Donc ici VG, donc sur World of Tanks, et bah je vous retrouve pour de prochaines vidéos, et allez, ciao tout le monde! Hear about the deal. I